Bon, ben, je vais vous cuisiner une petite recette. Entrecôte, pas quand tu gaspilles. Allez, go! J'ai mis l'entrecôte dans le beurre et dans l'huile, que le beurre brûle, parce que sinon ça brûle. Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Voilà. Hop, et je tourne. Alors, je vais mettre mes oignons. Je vais faire revenir les oignons que j'ai effilés. Alors, oignons. Et je ne dis pas comment j'ai pleuré. Voilà, mais parce que je voulais vraiment qu'il soit. Voilà. Hop. Mon entrecôte, on va la mettre de côté. Et on va mettre les oignons. Voilà, on va les faire confire un peu. Pour les faire confire un peu, je vais mettre un sucre. Mais pas beaucoup, hein. Dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard. Voilà. Hop. Vraiment léger, voyez. Hop, encore un peu. Et hop, je l'enlève. Voilà. Comme ça, je vais caraméliser mes oignons. Ok. J'aurais voulu mettre des échalotes, j'en ai pas. Et je vais reprendre ma viande que je vais remettre comme ceci. Faut bien, c'est là le point capital, évidemment, parce que là, si ça se prend. Je vais mettre de la ciboulette. Voilà. Je vais mettre du mélange persil-salade. Allez, hop, fines herbes. Quand un petit peu de céleri, ça pourrait peut-être. Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes nerfs. Ça suffit, c'est inacceptable. Et voilà. Et je vais remettre un autre, une persillade. Et voilà. Et c'est à quoi ça me fait penser au film Les gendarmes à New York quand ils font l'entrecôte. Ça? Oui, allez. Mort de rien. Et voilà. Ah ouais, quand ils font l'entrecôte. Sauf qu'eux, ils mettent du vin, mais moi, j'ai pas de vin. Pinard. Moi, j'aime pas le vin, déjà. Voilà. Eh ben, écoutez, hein. Moi, je vous dis que ça, hein. Là, j'ai rajouté des petites pommes de terre. Vous savez ce que j'ai envie de rajouter? Vous connaissez, hein, commencez à me connaître. Hein. Franchement, j'ai envie de rajouter ça. Je vous cache pas. J'ai envie de rajouter des poivrons rouges. Mais déjà cuits. Oh là là, ça a l'air trop bon. Hein. Et voilà, regardez comme elle est belle. Et on fait revenir les petites patates. Ouais, je vais faire revenir un petit poivron avec. Alors, j'ai rajouté mes petits poivrons. Voilà, les pommes de terre qui sont en train de rissoler. Hop. Et pour, je vais rajouter la viande. Voilà, tout est en train de rissoler et je vais rajouter, parce que ça c'est ma touche. De la moutarde. Moutarde. Voilà. Et là, ma viande. Là, je rajoute ma viande. Je rajoute un peu de moutarde. Bon, c'est pour deux repas, hein, parce que je ne vous dis pas, hein, je vais faire moitié-moitié, hein, parce que ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Voilà mon petit repas de ce midi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment trouvez-vous? Mais encore. Un velours, ce soir, c'est bon. Côté cuisson, mon adjudant, vous n'avez pas loupé. Hein. Entrecôte, bah d'ailleurs, il y a le jus. Je vais prendre le jus.
de la viande. Et voilà. Et bien sur ce, je vous dis bon appétit. Moi, je vais me régaler. Ça a l'air trop bon. Hein. Voilà, je vais manger ça ce midi. Je vous dis, je vais couper comme ça. Parce que je ne vais pas tout manger, comme c'est une entrecôte qui est énorme. Et tout ça vient de mon pack anti-gaspi. J'avais eu beaucoup de choses du pack anti-gaspi, et notamment cette entrecôte. Voilà, je ne gaspille rien. Et je vous souhaite un très très bon appétit à tous et une très très bonne journée. Regardez dans l'assiette, trop bon. C'était délicieux. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je vous aime et I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Ti amo. Bye bye. Ciao.